salut les copains. Salut mon chou. Hugo. Dis-moi. On va où aujourd'hui? Oh, la belle truite. Ah mais il y en a deux. Joli, bravo hein. La bourriche. Ça grimpe hein. Hein? T'as vu Hervé? T'as vu, il y a un beau castor qui a bouffé là, les arbres. Un beau castor, Hugo, il y a des champignons. Puis tu sais que celui-là on peut le manger? Fais une omelette là! Non, ça faut le rôtir et puis après tu le fais à la crème. C'est très très bon. Bon là c'est quand même un petit peu engagé là. Ouais, tu vois? Ça va mon petit Hervé? Nickel! Tu vois, ça grimpe, c'est top! Heureusement qu'on a, on a la vue. Hein. Ça passe. Allez, on met les pieds. Ouais, juste. Hein. Ciao Hugo! Respire. Ça catogne, hein. Ouais. Hugo, ça catogne. Tu disais quoi, Hervé? Qu'on montait plus? Tu disais qu'on montait plus? Fais chier, ce catogne. Ça catogne. Il y a mon ami qui monte. Ah, comme il est beau, là. Sur la pointe. Ouh, ouh, ouh. Alors, je vous expliquer, je suis repassé devant Hugo. Donc là, c'était la petite pente où on était. Et puis regardez la croix où elle est. Vous voyez? Juste là. Elle vient de sortir du brouillard. Bon, il faut pas encore tomber. Hein. Neiger. Voilà. Puis en fait, vous voyez pas, mais la pointe, elle est là. Elle est là. Juste là. Hein. Voilà, vous voyez? Donc Hugo est à 3-4 mètres de moi. Et puis je le vois plus. Quoi. Hugo! Bisous câlin, merci pour la fête hier soir, c'était super et joyeux anniversaire encore Hervé. Ça c'est une belle croix, ça. C'est culinaire, c'est hot gendarme. Tu prends le gendarme comme un hot dog. Comment tu... Comme... Ah, tu le mets, tu le mets comme ça. Ouais, c'est un peu dur hein, quand même. Ça, ouais, ça fait pas mal comme ça. Non, ça fait pas mal, c'est con. Mais par contre ça fait un hot gendarme, c'est pas un hot dog, c'est un hot gendarme. Et puis après, hein? Et puis après. C'est quoi après? Ouais. C'est bon hein. Alors quand on repart du Catogne, ce qu'il y a de magnifique, regardez les couleurs. Wouhou. Non mais ça c'est beau hein. Regarde. Les gars, Hervé il filme. Hervé il filme. C'est du lichen. C'est un lichen qu'il y a sur les pierres. C'est magnifique, qu'est-ce que la nature est belle. Tout le Rhône, et puis regardez au fond le lac, tout le lac Léman. Et donc on est, ben on descend sur l'alpage du Catogne. Mmh. Magnifique, hein. Ça. Moi je fais un petit peu attention avec le téléphone quand même. Mais... regarde comment c'est beau, quoi. Sérieux. Voilà. Comment tu dis, Hugo? Wouhou! Eh oui, on est sur la face cachée du Catogne. À mon ami Hervé qui arrive. Ça va Hervé? Pas encore fini, hein, les gars. Ben là, en fait, pas beaucoup de monde qui passe par chemin. Et puis le névé, il est beau, hein. Hervé, là il cause plus hein. Hein. Ouais, ça c'est Annès qui veut passer l'été avec nous. Quatre pattes là. Oula, oula, regarde. Hein.
joli ce chemin. Les copains, là, regardez ça. Et là, il n'y a rien. Regardez ce bloc. C'est vraiment immense à la fois. C'est beau, c'est... Ah ouais. On va monter là-dedans. Quand on aura les bornes, là. Ah ouais, il faut monter là-haut, hein. Putain, ils sont là, les bornes. Bah oui. Là, on monte là-haut. Oh putain, il faut... Ouais. Ça envoie à la gueule. Ouais, ben là, il fallait venir parce que tous ceux qui nous ont dit, ouais, vous montez là-haut, vous descendez. C'est non, nous, on a fait le tour. Tour du Catogne. Non, on va où? Regardez où on passe. Waouh. Oh putain. Ah ouais. Là, ça descend bien. Quand même, je t'avoue que. Alors voilà, ce matin, on est parti d'en bas, Champélac. Bon, bien sûr, on a monté. Hein. Quand on arrive à ce panneau ce matin, on a pris ce chemin-là. Voyez ? À notre droite. Et quand on était en haut du Catogne, on a bifurqué pour redescendre sur Champélac, mais on a pris Alpage. Vous descendez par là après. Et puis, ben, on va retrouver la croisée de ce matin qui est juste en dessous. Et puis, nous, on va refiler sur Champélac. Voilà. Il filme. Vous avez vu? Ça, c'est du professionnel. Mon copain, il y a Hugo qui donne son numéro à une demoiselle qui est juste de l'autre côté de la montagne. Vas-y, donne ton numéro, Hugo. Alors, 48. 48. Allez, je t'appelle. Allez,